que vos collègues sont au point, il n'y a rien à redire par rapport à ce grand rendez-vous. Bah, vous savez, pour dire qu'ils sont au point, c'est facile à dire. Hein. Bon, on a fait une bonne préparation au niveau du Maroc. On a fait 15 jours qui nous a permis vraiment d'avoir une équipe structurée. Bon, la réalité, c'est le match de demain. Pour dire au point, c'est l'attitude des joueurs qui va nous le dire. Parce que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de très bonnes choses dans la préparation, cela ne veut pas dire que ça va se reproduire dans un match. Mais la seule chose et certitude qu'on a, c'est la manière qu'on a travaillé. Et puis la réalité du match, c'est autre chose. Hein. J'espère que si les garçons ont la même attitude qu'on a eu dans les matchs qu'on a fait, les trois matchs qu'on a fait au Maroc, on peut espérer un bon résultat ici. Mais qu'est-ce qui a occasionné pratiquement le remplacement de Dilma et de Christian Dibé? Bon, c'est question de choix. Hein. Le remplacement, c'est fait toujours par le choix des coachs. Le staff a fait un choix. Il fallait garder 23 joueurs. Et malheureusement, si ce n'était pas Ngimbi ou si ce n'était pas Dima, ça devait être quelqu'un d'autre. Vous allez poser la même question. Donc, c'est un choix qui s'est fait avec le staff technique. Et qu'est-ce que vous avez dit exactement à la dernière séance d'entraînement pour ce grand rendez-vous? Bon, le dernier entraînement, c'est toujours la mise en place de l'équipe. Or, c'est pas les derniers entraînements qui nous ont intéressés parce que tout a été fait au Maroc pendant les stages. Les joueurs savent ce qu'il y a à faire pour ce match-là. Les derniers entraînements, c'est que la répétition pour stimuler les corps des joueurs. Mais sinon, dans l'ensemble, tout a été fait au Maroc. C'est moi qui vous remercie. Ah, coach. C'est bon. Vous avez une question? Il n'est pas encore parti. Comme le Léopard a toujours pris les dessus devant leurs collègues de Diop les Rouges, ça sera la même chose avec le C de B. Bah, vous savez, quand on dit les Léopards ont toujours pris les dessus sur leurs collègues du Brazzaville, oui. Pour moi, c'est pas ça. Vous savez, chaque comment on appelle ça, chaque défi a il y a toujours un début et une fin de chaque chose. Or, ce pas des équipes qui se ressemblent. Hein. Il y a la A, il y a les Chan, c'est différent. Ça, c'est un autre match. On sait que l'équipe des Chan est différente de l'équipe A. Hein. On ne peut pas dire que ce que l'équipe A du Congo a fait sera la même chose que l'équipe A. On a l'ambition de se qualifier. On sait qu'on est dans l'obligation de se qualifier. Le Congo Brazza aussi. Donc, c'est à nous de rester bien organisé pour essayer de faire un bon résultat. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire que parce que mon fils mange du pondou du matin au soir, le deuxième fils doit manger du pondou le matin au soir. Hein. C'est différent, c'est un autre match. Hein. Il y aura 11 joueurs devant 11 de la RDC. Et les choses se passeront pour celui qui sera le mien. Additif surtout sur le mental, hein, parce que c'est des matchs très difficiles, hein, on va avoir une équipe en face très très costaud, et c'est à nous d'être costaud aussi. Ok, merci beaucoup. C'est ça le vœu, hein. Oui.